activé. Point de contrôle ennemi détecté. Détection d'un site protégé par des ennemis. Protégé par des ennemis à proximité. La protection est percée de partout.
l'extraction d'un site protégé par des ennemis. La zone de détention est au sous-sol. Allez, en avant. Votre objectif est de récupérer les transcriptions et les notes de plusieurs mois d'interrogatoire de prisonniers. Les informations sont stockées dans un ordinateur militaire. Vous le trouverez dans la zone de détention principale, au sous-sol. Point de contrôle ennemi identifié. Apparemment, les Trussons contrôlent la zone de détention. Les hyènes sont en train de détruire les caméras de sécurité. Ils sont pas si cons, finalement. Dispositif portable détecté. Renfort en route. J'ai plus l'image de la zone de détention. Il y a eu un flash et des interférences.
frappez fort. Mais nous sommes plus nombreux. Le nombre ne garantit pas la victoire. Il faut changer de stratégie. On pourrait fortifier nos défenses. Les hyènes et les parias ne tiendront pas longtemps contre la division. Si nous mettions moins d'effectifs dans ces opérations... C'est hors de question. On ne ramassera pas les miettes, nous sommes les Troussans. On ne va pas se planquer comme une bande de lâches. Il faut lancer une offensive tant qu'on en a l'occasion. Je conseille la prudence, Général Ridgway. De bons soldats risquent de mourir. Nous sommes en guerre, sergent. Si on ne perd pas de soldats, c'est qu'on perd le contrôle. J'ai retrouvé une image caméra. La zone de détention est juste devant vous. Trouvez l'ordinateur portable, prenez-le et foutez le camp. Apparemment, des renforts Troussans se dirigent vers vous. Par le nord ou par le sud? Les deux. Mais il y en a encore plus au sud. De toute façon, avec les portes fermées, la sortie nord est la plus proche. Les infos que vous avez récupérées seront utiles à Odessa. Mais sur le long terme, ça nous profitera à nous aussi. Et pour couronner le tout, vous avez fermé les portes de Strouhara. Agent, on pourra vous aider à diversifier un peu vos compétences à la base.